Nous voici sur Black Tail, un coup de cœur comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite de preview qui dure une heure, que vous avez si vous voulez pas vous spoil, vous avez une heure de vidéo. Ma foi, n'hésitez pas à aller voir celle-ci. Sinon, on est parti pour le let's play, le vrai let's play. Je suis sur la version PC, il est aussi dispo sur PS5, sur Xbox Series. Il a 24€ en prix de sortie, donc c'est pas cher je trouve. Et il a une durée de vie annoncée entre 15 et 25 heures on va dire. Perso, vraiment comme je vous disais, un coup de cœur, jeu d'action-aventure, on va jouer en vue FPS avec un arc, et de l'histoire très présente puisqu'on est dans les légendes, les mythes de Baba Yaga, donc trop bien, légende slave. Let's go, let's go, let's go, nouvelle partie, hop, on va jouer en mode aventure. Et j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment, vous allez voir, il y a de la moralité, il y a des choses sombres, il y a des choses qui sont moins. Trop trop bien. Vraiment, ça a été un coup de cœur sur cette première heure de jeu. Donc, je suis très contente aujourd'hui de vous démarrer le let's play. On va jouer toute la journée en live. Et bienvenue à tous sur le live, bien entendu. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. It was well past curfew. My sister sneaked out of the village. I followed her, as I always did. I took my bow. Le jeu est très beau. Moi je le joue en élevé, mais il existe Epic au-dessus. Je mets en élevé pour être sûr de ne pas avoir de soucis avec le live. Mais c'est pas un jeu gourmand du tout, j'ai aucun souci de ce côté-là. On va attendre qu'il y ait les indications quand même. Hop. Bruce. Et on va être, vous allez voir après, on va être assez libre finalement sur la map, sur ce qu'on fait, etc. I always make arrows myself. This time wasn't any different. All I needed was some sticks and feathers. And a bit of work to put them together. Hop. Salut, Maestra. Zora is always up to something. Can you see it? See what? The tree. The red oak. The red oak. Donc, bah le tir à l'arc, hein, les commandes sont tout à fait logiques. Hop. Take a good look at it. If anything bad happens, always head straight to the red oak. I will meet you there. Zora? Was it you? Can't stand a second without a leash around your neck? How about you finally go down your own path? Alors là, du coup, dans la vidéo que je vous ai fait prévue, j'ai mis ténèbres. Je vais prendre lumière, du coup. I still don't want to. I always try to do what's right. Trying is all you could ever do. You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no face. How much longer you want to be a nobody? You just follow in your sister's footsteps. How far will you go when she's not around? Zora's got a plan. She always has one. It's time you had a plan. You want to hide here in the woods? You can't hide from Baba, princess. I just need to find the red oak. The red oak. If anything bad happens... Stop it! Then forget the goddamn oak! What you really want to find is... the hut. What? I... Is it drilling into your little head? The hut. The hut! Just another bad dream.
Elle fait des cauchemars vénères. Hein. I haven't had a good night's sleep since Laura went missing. I think I finally know where to look for her. But first I have to get some food to get my strength back. Alors bien sûr, attends, je dois juste enlever une commande, la commande à vie qui est encore sur Ixion, du coup il faut que j'enlève parce que sinon... Ceci étant, j'ai beaucoup aimé Ixion, donc la commande fonctionnerait, hein. J'ai dit qu'en plus le son était bon et tout, le son aussi de Black Tail est bon, donc il n'y a pas de souci. Vous allez voir, les doublages sont très quali, les PNJ qu'on va rencontrer sont très cool. Bon, comme j'ai déjà dit, c'est un coup de cœur, clairement. Donc inventaire, journal, on a des talents qu'on va pouvoir voir après. La moralité, c'est ce que je vous disais. Il y a des actions bonnes ou mauvaises. Moi, du coup, dans la vidéo prévue que je vous ai faite, je suis montée jusqu'à corrompu. J'ai tryhard pour arriver jusqu'à corrompu. Et on va avoir des... par exemple, quand vous êtes mauvais, en fait, les ennemis peuvent drop des gouttes de sang qui vont vous heal. Quand vous êtes vertueux, alors on va le tester, parce que ce sera la première fois que je teste vertueux, on va, du coup, récolter plus de ressources. I have to go hunting to get some meat first. I keep having nightmares since Baba the Witch started snatching kids from the village. Volko, Slavica, Dragoy. Et du coup là, je vais essayer de faire les actions qui sont positives. Dans les actions négatives, on a par exemple le fait de tuer des oiseaux. C'est négatif. Les libérer, au contraire d'un piège, c'est positif. En vrai, je connais beaucoup d'actions négatives, mais pas beaucoup de positives, du coup. Donc on a des ressources à récupérer. Eux, ils donnent en fait un peu des conseils, finalement, quand on les tue. Les petits esprits, là. Moi, j'adore. Franchement, moi, dès que je suis arrivée ici, j'étais en mode, oh là là. Est-ce qu'on peut grimper, là? Non. Alors je prends mon temps sur ma game, c'est vraiment un jeu qui est beau, on a envie de voilà, profiter du décor. Clairement. What's your problem, little one? That's my good deed for the day. Oh bah ça je l'avais pas vu. Je l'avais buté bien entendu pour faire un truc négatif. J'y ai donné à manger. So cute. C'est un gros one. J'espère que je peux le prendre down. Alors je pense que je suis obligée de le buter quand même lui. Parce que c'est la mission. Faut qu'on voit hein, s'il y a des oiseaux. Les oiseaux ils font penser aux corbeaux de daim comme j'ai dit. De ce fait. Ici normalement il y avait des cristaux. Voilà. Le jeu est trop beau non? J'adore. Franchement je suis tellement contente d'être tombée sur ce jeu. Parce qu'il... J'ai pas vu beaucoup de promos sur ce jeu, de promotion, je veux dire, dans le sens mise en avant. Hein. Alors, le cerf est parti par là, mais j'aimerais explorer le reste du coup. Le doublage est fou, on est d'accord, j'adore. J'adore, j'adore. Tu vas voir les différents personnages après, c'est trop bien. Alors peut-être les gens vont dire il y a que de la version anglaise, mais franchement... C'est Kali. C'est quoi, là? Oh, il y en a un autre, là. Attendez, hein. Les ressources, les ressources. Ah, mais là, on peut aller par là. Attendez, mais... Vas-y, là. Je suis obligée de le buter, on est d'accord. Je pense, hein. Il est tough. It'll need more than one shot. Je fais attention, vu que je veux faire des actions positives, c'est facile de faire le mal. C'est plus dur de faire le bien. En vrai. Et c'est facile de monter le mal, comme je vous disais, il suffit de buter tous les oiseaux. Donc attention. Donc il y a par là.
On est capé, hein. D'ailleurs, y a un max de dans les poches de 50. Heureusement, sinon je m'arrêterai jamais. Donc là, on ira après. Tac, tac. Je vais faire l'autre chemin sur le côté. Et on devrait être pas mal. Il est vraiment beau, de fou. J'adore. Non, vraiment, je suis charmée par le jeu. Alors, faut maintenir B pour annuler la flèche. Faut pas juste appuyer sur B. Si jamais. Parce que moi, au début, j'appuyais juste sur B, je comprenais pas. Donc là, je suis full en bois, par exemple. Hop. The village. I can't go back. Not without Zora. J'approche doucement. Je suis cachée. Oh, je l'ai pas touché. Pas super, quoi. Parle d'une chasseuse. Salut Soud. Ah bah à chaque fois j'avance trop. J'arrive hein. J'arrive. Faites pas gaffe. Voilà. Your blood won't go to waste. Shall flow through my heart forever now, because we are one. Il aboie pas ce cerf, non. Now meat goes over the fire. Comme dans Valheim. I'm hungry. Alors on a la carte ici, et on va d'ailleurs devoir remonter. A bite from that spider can kill in seconds. I'd better fix myself an antidote, just in case. Attends, fabriquer un antidote, c'est un truc positif ou pas? Ou c'est juste que j'ai ma moralité d'afficher? Non, il y a juste le hérisson qui est positif dans ce que j'ai fait. Pour l'instant. Donc ouais, vos derniers actes, c'est indiqué en fait si ce que vous avez fait est positif ou négatif. Donc là, par exemple, c'est un deuxième truc. Si je tire... Si je tire, je tue l'oiseau et c'est négatif. Par contre, si je m'approche et que je libère l'oiseau, c'est positif. Bien entendu. Oh, je l'avais pas vu. People have always accused me of helping Baba, called me a freak. When Zora disappeared too, there was nobody left to keep the angry mob away. So here I am, finding my sister is my only option now. I need to get to the Red Oak. Par contre, la coque de l'autre, elle est restée là, vous avez vu? Ah bah bravo. On est pas allé là, du coup, aussi? On est où, l'espèce de symbole? Oui. C'est là où il y avait le premier oiseau. Il n'y a plus la pomme de pin de l'autre, je crois. Bon, c'est ok. En vrai, j'ai fait tellement attention. Je suis plutôt bien. Un peu trop précautionneuse. J'ai envie de tout looter. Ah oui, regardez. Le feu. Ça, c'est pour la cuisson. Technique la cuisson. Hein. So far so good. Oh!
J'avais pas raté sur la prévue. Looks fine. Donc, on a des états, bien entendu. Donc, en régène, en hâte, en concentration. Ou poison, ralentissement, confusion, qui sont des choses négatives. Looking for a lost sister. Was that a lost spirit? Ça, c'est pour sauvegarder, hein. What the hell is wrong with this forest? Les bobocs sont des créatures énigmatiques qui voient et entendent tout ce qui se passe dans la forêt. Ils ont peut-être des remarques à vous faire si vous leur tirez dessus. Leur reste s'appelle Shellox. Ce sont des ingrédients chimiques précieux. J'essaie de récupérer tout à l'heure. En vrai, j'ai pas beaucoup avancé dans la preview puisque j'avais essayé de up la moralité en négatif, etc. Donc on va vite en être où j'en étais. Et c'est tant mieux. Where are you leading me? Oh no. Oh no. It's the hut. The one we saw 3 years ago. The same that haunts my every dream. I'll just sneak a peek. Look for any sign of Zora. Je vais faire le tour d'abord. Histoire de récupérer les ressources. Encore et toujours. J'ai pas eu ça là. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Heureusement, je suis en régène, donc tout va bien. Ah bah bravo Maui. Punaise, mais en vrai, on peut grave explorer ici. Je savais pas. Oh là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Oh là. Wow. Bon, à mon avis, ça s'ouvrira après, mais... Oh wow. Et là, là c'est d'où je viens, ouais. Bow before the master of the house. They're hissing, huh? Le petit chat. My mask. It's oh. Ici on a le lore du coup. Et ici c'est là qu'on apprend nos talents. Ok. Et on a toutes les infos. Donc si on fait Y, on a ce que ça va faire. Donc par exemple, vous bandez l'arc nettement plus vite. Voilà. Et en bas on voit ce qu'on a besoin. À chaque fois là j'ai besoin de dents que je n'ai pas. Again, but this is not a dream. Well, shit, it isn't. Surprised? Don't you remember all the times I saved your ass before? I... What do you... Better get used to it. This time I'm gonna stay for a good while, princess. I'll also help you get out of this mess you're in. The roots have overgrown this place. Ugh. We'll deal with it. Oh, is this... The one who watches over the world. But look what's happened to him.
and to the world. Let him feed off of what you've brought. Press the seal. The seal? Your mask. C'est beaucoup trop beau avec la musique et tout. Finally, I can feel something. Je suis trop fan. J'adore. Là, il y a un côté un peu sombre et tout. Je sais pas le talent, attendez. Je crois que je peux le faire, celui qui... Voilà, j'y suis. Oh, il y a des dégâts de chute, on a l'info. Je suis encore un peu en régène, normalement. Je sais pas si ça va remonter. Je pense que non. Je peux pas passer au bon endroit. Ah si, si. Putain, elle marche bien la régène. On n'a pas pris lui, on avait ce qu'il faut pour le faire. Qui permet de hop d'un cœur. Tant qu'à faire, et le reste va régène. J'ai chu, exactement. A trail of crumbs? Those goddamn kids always get their crumbs in the yard. See the vines? J'aime trop la voix un peu. Et là, du coup, on a un truc qui permet de repousser. Not bad. Il y a des minimalistes qui vont attaquer normalement. Bah alors. J'ai stressé, j'ai voulu bien faire, j'ai fait mal. C'est vrai en plus. The forest has been crawling with these lately. C'était mieux dans ma preview. Je regarderai la preview comme ça. Ah oui, ça c'est Bella, elle permet de régène, hein, bien entendu. Les améliorations, il y a des améliorations dans l'inventaire. Je pense que je vais essayer d'obtenir ça. I can't. So you're gonna stand here forever now? I could try jumping over. No. Figure out something that makes sense. Bye. En mode nimp. Donc là, je vais avoir justement, et c'est à peu près là que j'en étais arrêtée, je vais parler au bonhomme vite fait, mais je vais avoir des choix. Parce qu'il y a plusieurs façons de réparer le pont. J'ai des personnages qui me demandent de faire des choses plus ou moins. Avec une morale plus ou moins positive. I should make myself a fishing rod one day. Oh, vous croyez qu'on va pouvoir pêcher? That's what I call a les voilà. You're the giant mushrooms I heard about in old folk tales. I never thought you'd turn out to be real though. What are you? Oh. Oh shoot. A human girl and she's holding a bow. Should we? Wait. This mask on her face. Don't know why exactly, but it makes her look almost familiar. Not many of your kind coming here. Have you lost your way, girl? Ooh, I like her bow. It's such a nice bow. Can I touch it? Did she come alone? Where's she? Keep it down, kids. Can't you see the grown-ups are talking? I'm looking for someone. And well, the trail goes over the broken bridge, so... See, Borvi? The bridge is broken! It must have been the fire drake that burnt it. You mean a dragon? A vile, bloodthirsty reptile? No way you've got a real one here. Of course we haven't. A dragon just happens to be the best cover-up for whoever's behind that honey hustle. Anyway, they call me Borvi Borko. Slippery Jack at your service.
My name's Yaga. What kind of name is that? What's that short for? Quit your jabbering. I can't hear what she's saying. Would you happen to know another way across the river? Oh, there is no other way, I'm afraid. We could rebuild the bridge for you, but... Or rather have a bunch of beavers do it for us. Yeah, we sure could do this. But we need to take care of the fire drake first. Tu vois pourquoi je t'avais dit les champignons, que c'est ton emote était approprié, Lila. Et salut Emma. I wonder if this terrible mighty dragon and lost spirit I saw a while ago could be linked somehow. Did you happen to see it too? Oh, a lost spirit, huh? I'm afraid I didn't. The restless souls reveal themselves only to whom they choose. And sometimes they can carry lost memories. Lost memories? Yes, the ones you both share. You have to follow the spirit and relive the memories so the lost soul can finally rest. Some say it's nearly impossible that you may lose everything, including your life. But trust me, it's worth the risk. Because by helping the spirits, you might help yourself too. We all carry our own burdens. Ah, yes. Such as the fire drake? Dragons used to be something you would rather hear about from the elders. Stories about beasts breathing fire, eating sheep, but honey? The beast, this bloody hole eater, built its nest somewhere in our forest. Sometimes it sticks its ugly head from a cave and demands offerings. Honey's enough for it, now. But the spring's just begun. It might grow hungry for meat or mushrooms. What a pile of rubbish. There is no bloody dragon. Just greed, vice, and deception. Honey is liquid gold. It rules the world, corrupts people. No wonder someone's using that for their own benefit. And we still can't afford to lose a single drop anymore. Guess I won't know who's right until I find out on my own. Oh, du coup, j'ai pas bien écouté à cause de... Je vais enlever juste... Effectivement, j'ai écrit EET au lieu de EEST. Dans ma commande. Du coup, t'as la commande qui explique tout simplement. Tac. Merci à Emma pour ta vigilance. Du coup, il demande... The beast, this money's enough. What a pile of rubbish. Y'a pas de dragon, ok. Honey is liquid gold. It rules the world, corrupts people. No. Ok. It seems you've got a really burning issue here with the beast on your shoulders. But I really need to get across the bridge. So maybe we can help each other out? You seem like a crafty lass. Help us get rid of the beast, and we'll get the bridge fixed for you. Well, I'm not exactly a dragon slaying type. Oh, I'm sure you'll do just fine. Go find Rebel, a rather peculiar cursed type. He's a friendly face, even if it's a bit hard to tell. He'll tell you what's what. Dragon or not, this thing needs to be taken care of. But you should start by finding my friend. The noble grand knight. Donc là, on choisit en fait a good luck entre charm, le noble ou le maudit. Such as a horseshoe. In any case, you should follow the dragon's roar. The roar. Just go to the caves west from here. All right, I'll see what I can do. Donc dans ma preview. Off to a great adventure. Vous pouvez voir l'ami maudit de lui. Et là, du coup, on va aller voir l'autre. Ils font peur à rigoler comme ça. Du coup, il y a plutôt intérêt à maxer en deux côtés ou à jouer un peu. Bah, je pense que tu peux que l'un ou l'autre parce que regarde, tu pars dans le mauvais ou dans le vertueux. Par contre, à mon avis,
Ces trucs-là, par contre, tu dois pouvoir choisir, en fait. Ici, tu vois, dans... Hop, si je vais dans favorite... En fait, ces trucs-là sont liés à des conditions, les titres ici. Et ceux-là, tu peux avoir un maudit ou un posé... Ou un... Comment ils appellent ça? Vertueux, on va dire. Du coup, je pense que tu peux quand même ouais, avoir l'un et l'autre. En fait, tu vois, par exemple, ici, c'est écrit « Aider les maudits plusieurs fois, éliminer le vertueux, éliminer le trompeur. » Et si là, je vais faire « Aider les nains plusieurs fois, éliminer le féroce, éliminer le fou. » C'est ce que je vais essayer de faire. Normalement, je devrais avoir le titre de favorite qui va se débloquer. Mais à mon sens, c'est plus tu fais une run positive ou tu fais une run négative. Entre guillemets, hein, c'est pas négatif ou positif les termes. Hein. C'est des choix. Après, je découvre. Hein. Donc ça se trouve. Alors, il a dit à l'ouest de lui. Du coup, c'est par là. C'est mignon en tout cas. Ah, ça oui. Hein. Ça oui. Hop. Oh. J'ai envie de tout explorer. Your sorry ass. You gotta learn every way to crawl out of your own grave. Quelqu'un? Alors je pense que l'abeille, ça me fait un malus ou pas? Non, ça va. Willow, what? The sinister lights leading you straight to hell. Willow wasps, I like it. Que j'ai looté là? J'ai pas vu. Hop! Je me demande si c'est pas des trucs que je peux pas encore looter. Tout va bien. Du miel. Je vais avoir fait tout le tour de la zone là, je crois. Cette zone là, je l'avais pas explorée en preview. Je suis allée à. Je crois que je suis morte dedans. J'ai un doute. Ah, vous venez bien. Alors tout ça va évoluer au niveau des pouvoirs et tout, hein. Bien entendu. Make a wish upon a shooting star. Hop. Est-ce que je peux le manger le miel, je me demande. Salut Camille. Mais est-ce que c'est négatif de buter? Je me demande. Où est-ce qu'il est? Il y a un plan. Sur les trucs... En fait, sur les frelons, il me semble que c'est plus leur,
En fait, si tu fais la tête, tu fais le truc où ils vont partir exploser les autres gens. Mais... Putain, il m'a vu. Je crois bien qu'il m'a vu. Mais si tu fais la boule en dessous, ça one shot. Mais c'est la boule en dessous, leur point faible, si je dis pas de bêtises. Ah. Ok. Parce que mon pote est là-bas, là, vous l'avez vu. Oh, il m'a vu déjà. Je vais jamais pouvoir le chasser. Ah, tu parlais sur le cerf? Peut-être. C'est possible. C'est possible. Je sais pas, pour moi, un animal, tu vises son cœur. Dans... Enfin, je sais pas, quand tu... Tu vises pas la tête d'un cerf. Je crois que c'est... J'ai pas eu de malus, hein, pour le cerf, il me semble. Non, j'ai eu que des bonus pour l'instant. On est bon. Donc, on va pouvoir aller voir ce qu'il y a au milieu. Je fais attention, il n'y a plus de plumes. Si, c'est bon. Good. Oh là! Bonjour. Oh, un coffre. Trash or treasure? J'ai une page perdue. Alors, les pages perdues... Les viser correctement. L'enfer. Ah! C'est quoi qui m'a tué derrière? C'est quoi qui m'a tué derrière? Ça croquait ce qu'il y avait derrière. Du coup, je crois que j'ai pas la save de le fait que j'ai pris. Les pages perdues, ça permet de débloquer des talents. Alors, faut savoir que là, les petits monstres, il y en avait beaucoup. Mais en fait, si j'avais continué un petit peu l'histoire... On débloque le fait de tirer en arc de cercle. Ce qui rend la chose beaucoup plus simple. Hein. Du coup, je pense que je dois refaire là. Ouais. The wasps that big? Willow, what? The sinister lights leading you straight to hell. Willow wasps. I like it. Enfin, ils vont buter direct avec leur technique là. J'aurais dû aller safe quand j'avais clean. Terrible. En vrai, j'aurais pu m'en sortir juste avant. J'ai mal à anticiper le truc. Faudrait juste que je me heal, par contre. Voilà. Merci bien. Maintenant que je sais que ça va apparaître. Par contre, faut pas que je recule trop parce qu'il y avait une bête derrière. Je pense que le truc qui m'a croqué, c'est une fleur qui avait respawn. Ça paraît logique. À mon avis, c'est ça. Crap.
Au secours. Oh, ça devrait toucher, ça. Ouh, c'est très cher. Ma remorque qui renvoie aussi en arrière, on n'a plus l'habitude. Oh, bah j'aurais pu sauvegarder, hein. En vrai, j'aurais pu sauvegarder, hein. C'était à moi de sauvegarder avant d'aller au milieu. Après, là, c'est pas la mission, ici, hein. En même temps. Donc bon. J'essaie la tête pour toi. Ah tu vois, ça l'a juste fait partir. Mais je pense que c'est deux coups quoi qu'il arrive. Et les petits d'ailleurs, quand j'essaie de viser leur tête, j'ai l'impression que j'ai moins de chance de toucher que si je vise leur corps. Non, ouais, j'aurais pu sauvegarder. Make a wish upon a shooting star. C'est pas marrant. C'est pas marrant si on sauvegarde. Par contre, ce qu'on checkera, c'est si après la sauvegarde, ça fait respawn les mobs. Ça m'intéresse. Je pense que oui, vu que c'est un jeu dans lequel on chope des ressources. Ça me paraît très logique. C'est où ça? C'était un truc. Take on some weed pulling job or what? C'est ouf. Il faut des plumes sinon on va avoir un problème. J'ai mis le doigt. I think I knew this place. I was here, like... It's been a year now. Painful memories? Good. Pain means you're not dead. Yet. Je l'avais oublié, là. Je l'avais vraiment oublié. Faut quand même que je me le fasse. Faut des plumes. Sinon ça va être problématique. Oh j'ai pas touché là. Par contre j'ai eu un malus. J'ai buté un oiseau, j'ai pas fait exprès. Terrible. Et du coup il a dû me donner des flèches. Attendez. C'est l'avantage. Waouh, je sais pas ce qui vient de ma gro là, mais je m'en vais. C'était une plante? C'était quoi? Blessed be your gifts, mighty forest spirit. May your paths always be filled with plenty. Oh, j'ai tué un truc là, je suis dingue. Go faire à manger. Je vais zéro avancer, ça me fait rire. J'étais plus avancé dans la prévue, hein. Tu vois, c'est le cerf qui m'a tabassé? Possible. Possible, possible. On essaye la save pour voir si ça fait respawn. On va essayer. Pas l'air. Sans pourrir. J'ai que un cœur du coup. En espérant que ça ait bien save. J'ai un doute. Pauvre oiseau que j'ai buté. J'ai pas fait exprès. Je me casse vite une fois que c'est fait. Hop. Je m'en vais.
Voilà. Voilà qui est mieux. Du coup, on a la page. Trop bien. En vrai, je suis refaite de cette histoire de page. Hop. Ça va très bien, et toi? Ça doit être le cerf. On va le cuisiner après, là. Hop. Donc, continuons l'explo. Cette zone était très agressive par rapport à tout ce que j'ai pu explorer en preview. C'est clairement la zone la plus agressive. C'est un gentil, lui. Il a une étoile. Ah, lui, c'est le méchant. Ah. On va y aller après. Le petit chat nous permet de nous TP. À la hutte. Du coup, on va voir cette histoire de page là, parce que... Je sais pas c'est quelle... Elle s'appelait Adrénaline, non? Un truc comme ça. Oui, elle est là. Trop bien. Mais il faut quand même encore des compos, mais vous bénéficiez de hâte à votre dernier cœur de vitalité. Trop bien. Nope, Gamma. May your hand be just, but your shear is patient. Donc ici, il y a une petite statue qui demande, je vais pas y aller parce que j'y suis déjà allée pendant ma preview, qui demande à avoir le titre de favorite que je n'ai pas encore. Donc on va pas s'embêter à y aller pour l'instant. Clairement. Par contre, on va cuisiner notre cerf. Regardez ça. Qu'est-ce que... Enfin... Là aussi on peut pêcher, alors il me faut une canne à pêche. Carrément. Faut totalement une canne à pêche. Donc là, bam bam. Toujours plus de fleurs. Attendez, ça c'est négatif, je crois. C'est un totem négatif. Je m'en souviens. C'est négatif dans le sens où ça va augmenter ma... mon côté maudit. Regardez-le! C'est pas trop mignon, ça! Oui, miss. Miss, enfin, mignon, c'est dégueu une larve, mais... Oh, good day to you, Mr... Mr. Lava. Not a very good day to be alive, I gotta say. All underworlds at rage. Beholders protesting, lost souls writhing around, and made tunnels blocked by those awful roots. Gotta dig the earth. It's got me all twisted. Tell me, miss, did I go up or did I go down? Donc dans ma prévue, j'ai mis le trompé. Là, je vais mettre aider la gentille là. You must have gone up to get here, Mr. Lava. Oh, yes, that's so. Thank you, miss. I should get back to work. Demons aren't going to make themselves, are they? La rose, elle comptait, ça me tue. Et du coup, là, ça a avancé ici, sur solaire. Donnez quelques fleurs à ceux dans le besoin, aidez l'ouvrier à ferrer plusieurs fois, reprenez les yeux des avares. Faites une offrande au nom du bien plusieurs fois et aidez-les à atteindre des pommes. Ok. On va juste avancer un peu par ici, mais je vais pas aller au bout, puisque c'est là où il y a...
Il me semble que détruire la ruche est un truc négatif. On va aller du côté du noble après. Hein. Tout de même. Going out with a bang. Je l'avais croisé, mais dans l'autre sens. Regardez, elle a des épées, c'est Game of Thrones. I beg your mercy, my queen empress. Enough. Show me the way to the human settlement, so I can lead my merciless army and pour my wrath upon them. Those rivers of blood don't really sound too good to me. There will be no alliance between us and Queen. Soon, all will know the true meaning of horror. Même tu. Ok, donc là je suis là. Donc je vais essayer d'aller voir le gentil entre guillemets, qui est de l'autre côté du pont, je pense. Finders keepers. You can brew an interesting stew out of it back in the hut. Élément important. And finally become a hero in your own story. Élément très important là-dedans. Je peux pas aller là. Save. Oh là, j'ai failli buter. Non. Font une petite patte, c'est vrai? Je peux. Il y a un crapaud pas loin. Allô? Bonjour, monsieur le crapaud. Et là, on est revenu de l'autre côté de ça. Ok, donc on a fait le tour ici. C'est cool. J'essaie de tout explorer. Hein. Non bah c'était mieux en preview, vous avez vu il y a un petit triangle, c'est parce que j'ai déjà trop de bois. Et là on peut revenir à la zone du départ si je dis pas de bêtises. Attendez. Ah non ça redescend là, ok j'ai fait le tour du triangle. Cool. Mais alors au niveau des cristaux... Ok. J'imagine qu'on aura quelque chose pour les détruire. Keep moving. Bien entendu. Looking for someone. Et bien du coup, on va aller à l'endroit de l'autre côté du pont. Donc c'est par là normalement, à gauche, je crois. Fancy a chat, girl. Là, j'ai fait tout le tour. Ouais. Ligne droite 15h, pas ligne droite 20-25h. Nous concernant 40h. Non, je rigole. Non, mais j'avoue que j'aime bien explorer.
Et tu vois, ligne droite 15h, ça veut dire que là, je serai déjà à la quête suivante, quoi. You spilled those to ward off the winter. Days of yore. A Bobok minus a mortal soul makes a Shellog. Mm-hmm. And? Their souls trapped in between, awaiting their chance. Oh, je vais éternuer. We've all been there. Nom de tous. Des souhaits. Merci. Malade pour Noël, t'imagines? Non, j'espère pas. Ça m'embêterait. Oh. Oh là là. Faut m'ouvrir maintenant. Ah, c'est peut-être parce que je suis pas de mon côté. C'est possible. Voilà la fameuse caverne. Bonjour. Madame la baleine. Bon, je vais aller voir l'autre d'abord. Je reviendrai à la caverne après. Parce que si après ça me fait pas ma mission, j'aurai l'air con. Voilà. Il avait l'œil fermé, c'était compliqué. C'est beau. Hop. Un autre screen. C'est une sorte de nid là. On va aller voir. Ah, je te sauve. Ouais. Hitbox des fois. Faut vraiment viser le bidon en fait, hein. Non, mais ça gargouille là. Okay. C'est bon? On a fini les minimoys? Une dent, parfait, on va pouvoir faire l'amélioration. Trop bien. Ça, je suis capé, mais bon, qu'est-ce qui se passe si on va dans l'eau? Est-ce que vous vous posez la question? Que si vous posez la question, je peux vous répondre. Et ben, on ressort de l'eau avec genre un demi-cœur. Voilà, sachez-le. Hello. Camp. Well done, Miss Right Place, Right Time. Keep quiet. Pourquoi demain? Aujourd'hui? How nice. Someone came to dinner. Too bad you didn't give us a chance to tidy up the place first. Au secours. So much dirt everywhere. I guess we need to at least sweep the floors. What is this?
Un balai. Appuie sur Yulek pour placer le balai. Une fois posé, il attire les ennemis vers lui. Get over here, you little piece of shit. They can't resist it. Take care of them. Hein? Où ça? Il triche. Un balai. Je fabrique un balai. Let's go. Ah, c'est vertueux de les avoir butés. Was it a broom? Broom. An ancient artifact of great power. But sure, it makes it easier to take care of the trash. But what was it even doing here? This thing's got a mind of its own. It found you. It'll be back if you need it. So. Bound to stick together if you're thick and thin. Yes. I'll ride it wildly in the pale moonlight, howling wind, and... Are you finished? Don't push it, princess. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Ah, mon pote est par là! Merveilleux. Mais j'ai pas fini d'explorer là-bas. Oh, le balai! Les gens... Ça me tue. Oh, petite bête! Hello. Hi, miss. Fancy seeing you again. Je fais attention à faire des coupures sur les épisodes. If I don't get sticks and stones to break old bones, soon there won't be any room left for new corpses. I already have some stones, but sticks are illegal in the underworld. Do you think you could just quickly help me? Yeah. It so happens I might just have some top-tier quality sticks for you from under the table. Thank you so much for your good deed, miss. If you ever end up dead, there will be a cozy place down there for you. You have my word. Saloperie, comment profiter là? Je pensais pas qu'il m'agresserait pendant la... Non mais... Bon, je suis full, admettons. Villain bait. J'ai tellement envie de tout explorer, c'est nimp. Est-ce que vous croyez que les pots peuvent donner du loot? Ça a pas l'air. Non. Ok, donc là on arrive dans la zone de neige. Au wood. Zone de neige dans laquelle il y a un truc comme ça. Bon à savoir. Bon, j'ai une petite baie. Ah, ça, ça doit être le gentil. Non? The darker the night, the brighter the stars. C'est pas gentil. Votre esprit est à l'équilibre. Tous les avantages de la posture morale opposée à la vôtre vous sont accessibles temporairement. Jour. N'est-ce pas marqué? Là. Mais ça, c'était positif ou négatif, en vrai? C'était rien. C'était en mode, vas-y, j'ai tous les avantages. Ben merci. Mais combien de temps? Temporairement, c'est pas clair.
Bon, en tout cas, merci. Bon, la zone froid, on ira peut-être après. Je dis ça dans le sens, il faut quand même que j'aille voir le monsieur larve. En même temps, j'ai envie de voir aussi, j'ai envie de tout explorer. C'est Ah, mais monsieur larve est aussi par là. Hein. Ah bah oui, forcément. On sait qu'on a la zone froid à explorer. Je pense que c'est pas mal de se dire... Voilà, la zone froid, ce sera exploré. Salut Quiven. Et salut Credio. Hop. Mais les dents, elle va me dire de l'utiliser dans pas longtemps. Vous savez quoi, on va garder pour l'instant, je pense. Quoique... Ouais, on pourrait mettre les poches. Hein. Oh, il manque des fleurs pour les poches. C'est con. C'est un peu dommage. Si je farme 2-3 fleurs, on est bon. 7 en vrai. Mais pour avoir des meilleures poches là, ça me plaît bien. On veut des poches. Ma vie pour des poches. Est-ce que du coup ils réapparaissent là? Allô? C'est bon. Tout va bien. Ah, je peux pas monter comme ça là. Le bonus descend, mais bon. Oh! 2 molaires en plus! Au cas où je me pose des questions. Merveilleux! On voit très d'ailleurs que les trucs chiants là sont pas réapparus. Ils sont là. Je me sens obligée de la ramasser quand même. C'est terrible. Je l'ai raté. Genre vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? C'est celui-là? Alors lui, peut-être je peux le casser celui-là. Non. Bizarre. Ah, va-t'en! Ne fais pas des trucs comme ça, hein. Maman. J'aime bien voir qu'ils font. Jip, 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 jap, chou. Jap, chou. On est où là? Oh, on va revenir par là, là. Je le sens bien. Ouh. Full explore. Si je dois mettre un titre à ma... à ma rediff, c'est full explore. Full explore, full explore. Qu'est-ce que c'est? Take that, you bunch of crooks. Ant invasion called off. At least... Oh, fourmilière, boum! Alors comme je vous disais, je suis montée jusqu'à corrompu dans ma preview, et pourtant j'ai joué qu'une heure, mais c'est parce que c'est facile de monter corrompu, il suffit en fait de... Si vous tabassez des... Ah c'est cool, ça m'a révélé ce que c'était les bonus. Si vous tabassez des oiseaux, bah ça fonctionne. Donc forcément... Le balai dure plus longtemps et attire les ennemis à proximité jusqu'à disparaître ou être détruit. Le balai inflige de faibles dégâts répétés aux ennemis invectivés. Ok, et là du coup c'est quoi? Le balai dure plus longtemps et attire les ennemis jusqu'à disparaître ou être détruit. Rend peu à peu une faible quantité de vitalité. Donc il y a quand même un bonus de vie sur le balai par exemple. Ok. Attends, on va faire de la tyrolienne après. Moi je veux. Hein. Je dis oui hein. Oula!
C'est rien. Ça a pas l'air... Ça a l'air d'être un mauvais plan. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un bonhomme, ça? What? C'est comment il s'appelle? Mince. Gandalf. Ok, il y a un coffre là-bas. J'imagine qu'il faut, savoir sauter. On a peut-être un double dash après. Paf, paf. Dans les airs. On saura revenir. On saura revenir. Of them too. Watch out for that noise. Je peux pas leur tirer dessus. Ah si je peux. That's one problem solved. Oh, j'ai pu tirer sur les bats. Bon, je suis parti dans une explo là. Mon gars. Mais il y a un coffre. Pas venu pour rien. Oh, il y a encore un mec à côté. En plus, c'est des gens morts. Vous avez la réponse. Botte de 7 lieues. Oh là. Est-ce qu'ils savent grimper? Ils savent pas grimper. Oh, il y en a un gros, vous avez vu? Je vois pas les autres. Faites gaffe quand même. Je vois pas où sont les autres. C'est dommage. Ah là. Ah, ça va être compliqué. J'ai pas save depuis tellement longtemps. Oh non. Bon, j'ai pas save juste le trajet pour aller au... Finalement au... Comment ça s'appelle? Truc des araignées. Ah dommage, hein. Je voyais pas, c'était chaud. Il y a le coffre en haut qu'on doit refaire du coup. De pas là. Moi, j'ai un doute s'il est fait du coup. Difficile de souvenir de ce que t'as fait ou pas fait de ce fait. Là j'ai le bonus le truc maudit vu que j'ai l'équilibre des deux là.
sure if that's what I... Shoot first, think later. Non, ça je veux pas. On va y retourner, hein. Oh, il y a la fourmi ici, je l'avais ratée. Human, I, the Ant Queen of the Unstoppable Empire, demand proof of your loyalty. Bah non. I want you to slay the birds in the name of the Ant Queen. I will not bow to your will, vile usurper. One day you will taste the wrath of the Ant Legion, and it will be your last. Je peux aussi t'écraser, hein. Tu sais. Oh, je peux monter là. Oh, mais c'est un méchant, lui. Attendez, c'est le chemin pour aller à... Ah non, c'est le panneau. Oh, j'arrive pas. Non, je peux pas. Bon, on y retourne à notre grotte de fou, là. Ah mince, j'ai oublié que j'étais en train de buter un cerf. Vous voyez quelque part? Eh ben, il aura la vie sauve. Bon, je vais faire plus attention, hein. Clairement. Salut Rift. C'est parti. C'est parti. Bah du coup il y a là à refaire. Non ça va. La mort est punitive. Bah simplement, tu réapparais avec ce que t'as fait jusqu'à ta dernière sauvegarde. Donc, si ça fait longtemps que t'as pas sauvegardé. Par exemple, tu vois, là j'étais dans une cave. Donc je sauvegarde pas dans la cave. Bah je dois refaire ce que j'ai fait dans la cave. Après, comme je disais, là j'explore. Si je suivais l'histoire, je serais pas en train d'explorer cette caverne. Donc c'est... c'est un peu genre... c'est ma faute. C'est un peu ça. Take that, you bunch of crooks. Mais là, faut pas que je me foire, quoi. Invasion called off. At least around here. On va essayer de pas se foirer. On sait qu'ils remontent pas les nabos. Quand vrai, mais ça, je me demande du coup. Il sortait ce matin à 10h. Et perso, j'adore. Clairement. Ça me plaît beaucoup. Donc il peut y avoir des loots dans les pots, en fait.
Enfin, sans se poser la question. J'ai fait pour les buter juste avant. C'est bizarre là. Bats. Quite a lot of them too. Ah, c'est ça. Watch out for that noise. One problem solved. Okay. Faut vite que je m'enfuie. Ah, je sais pas où sont les restants. Là, bon, il faut que j'aille sauvegarder et que je revienne. Oh, ouais. Je peux pas me permettre de reperdre la progression. Il me faut au moins des baies ou quelque chose. Pour pouvoir les buter. J'ai envie de finir d'explorer la caverne, mais... Mais pas en prenant des risques fous. Ok. Il faut juste que j'arrive à me heal. Et on pourra aviser. Encore un et on sera bien. Petit crapaud là, vas-y, donne-moi. Cool. Ouais, ça c'est... Ouais, ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air. Prendre la fleur. Merci. On va y retourner dans cette grotte. Foi de moi. Après, j'ai assez de cœur, je pense, pour... tenter ça? Non! Bon, ça va. C'est juste un handicap. Ok. Vous me direz, j'aurais dû sauvegarder, quoi. Vous avez vu, ça réapparaît.
Je les vois vraiment pas, c'est chiant. Ok. Ah ouais, il était beaucoup. Fallait vraiment que je descende. Let's go. On va pouvoir ressortir de l'autre côté. Let's go, let's go. Oui, c'est exactement. Vous avez vu, ça coûte du mana hein, de faire ces trucs-là. Donc là, on peut ressortir par là, on peut aussi aller là. Ok, je vais pas la voir. Ça, c'est pas clair. Faudra qu'on voit ensuite s'il y a quelque chose à faire. On sait qu'il y en a un là, au moins. Parfois, quelques soucis de hitbox. Je dirais. C'est pas dramatique, hein, c'est pas non plus... On est pas sur Elden Ring, hein, donc... Pas grave, quoi. Mais néanmoins... Wouhouhou ! J'ai failli me prendre l'araignée. Je ramasse alors que je suis full, hein, mais... Oh là là ! On a traversé ici, trop bien ! Let's go ! Hello ! Hello ! Ah bah je suis à l'endroit de l'autre côté de la neige. Bah go save ici. Allez. Là je pense que ça vaut une sauvegarde. Alors on a combien de fleurs? Parce que 7, je crois qu'il m'en faut 8 pour l'amélioration des poches. Et j'avoue que ça me tente bien d'avoir l'amélioration des poches. Donc on va explorer l'endroit où j'ai chassé plein d'oiseaux sur ma preview. Et j'essaie d'avoir l'amélioration des poches. Ce serait pas mal. Je suis sur la version PC. Hop, vous avez toutes les infos juste ici hein, dans la commande. Je l'ai mis que j'étais sur PC? Oui, je joue sur la version Steam, c'est marqué. Y'a pas de soucis. Hein. Tout est dans la commande. Parti. Ici, c'est vraiment un havre de paix, un peu. Oh, j'ai trop hâte de découvrir la suite et tout. Je suis méga hype. Je suis méga hype. Ici, franchement, si vous avez besoin de, du coup, de ressources à côté de... Après la neige, là, il y a vraiment de quoi faire un gros stock de... Et c'est là que du coup j'ai farmé mon malus négatif sur ma preview. Parce qu'il y a des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux. C'était du coup fort pratique. On va faire une dernière fleur. Ah parfait ça. Une dernière petite fleur là pour pouvoir faire mon craft, hein, ce serait cool. Je sais pas si c'est négatif de buter le cerf, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Blessed be your gifts, mighty forest spirit. Non, c'est pas négatif. May your paths always be filled with plenty. Cool. Pas cool.
Ça, c'est négatif, ok. Je m'en doutais. Que niquer le nid d'un oiseau, c'est négatif. Je m'attrape. Hop, positif. Il y a des fleurs là-bas, on est bon. Du coup, on aura fait aussi la zone de neige. C'est pas plus mal. J'entends un... petit bruit. Un peu mignon. J'ai peur de rater les petits bonhommes. Ce serait dommage, hein. La fameuse caverne, celle-ci, on l'a pas encore explorée. Mais comme l'homme m'a dit d'aller dans les caves pour le dragon... Je vais dire, elle est débile, ça fait 400 fois qu'on lui dit où aller. Pourquoi elle y va pas? Enfin! Donc j'ai toutes mes fleurs, normalement. Et je pense que j'ai fait le tour de cette zone. Ah, il y a là. Il y a encore un piège. Pas l'air problématique, ça va. Je pense qu'on est bon. Je vais du coup aller crafter mes poches. Tant qu'à faire. Mes poches. Allons-y. Ah oui, j'ai débloqué aussi un nouveau ça. Donne 3 points de mana supplémentaires. Ça, c'est grâce à ce que j'ai eu dans la grotte, je crois. Le 3 points de mana supplémentaire. J'ai un doute lequel c'était. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. C'est la recharge du sprint. Ah non, je pense que c'était le truc de sprint parce que j'ai eu... Oui, non, c'est ça. J'ai eu botte de 7 lieux. C'est là. Ça augmente la distance de sprint. Ah, et du coup, on pourrait choper le coffre qui était de l'autre côté. À mon avis. Mais moi, je veux les poches d'abord. Mes grandes poches. Du coup, là, j'ai pu... 6 fleurs. Mais au moins, je vais pouvoir stocker plus de fleurs, donc ce sera pas gênant quand je save et tout. C'est une bonne chose. C'est clairement une bonne chose. I think c'est une bonne chose. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une pause ici sur le live et ce sera la fin de l'épisode 1. Et après, là, directement, on va aller au bonhomme, aux champignons, que je devais aller voir. Que je devais aller voir il y a une heure et demie. Et on va faire la suite. Ça délève le jeu de mon côté. Ah nice, tu vois, franchement moi j'aime beaucoup, en tout cas c'est, je trouve que c'est le petit jeu bien tranquille, bien cool, avec, comme je disais, les PNJ sont marrants, l'univers est un peu original entre guillemets parce que c'est pas un sujet qui est traité souvent, et c'est joli, c'est, on s'y laisse porter facilement, ça délicieux aussi.